Les femmes ont un instinct de l'information. Elles ont besoin d'informer. Et souvent, elles vous disent ben, « j'informe parce que de toute façon, c'est la vérité ». Dans beaucoup de films, d'ailleurs, c'est souvent la femme par qui le scandale arrive, parce qu'elle dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire. Après, elle dit « ah, ah, j'aurais pas dû le dire ». Mais elle l'a dit, c'est sorti. C'était impulsif, compulsif. Donc, les femmes sont des informatrices, des cafeteuses, pour parler en slang, en argot, et elles adorent faire des rapports, rapporter, d'ailleurs on dit une rapporteuse, c'est un peu comme une cafeteuse, rapporter ce qu'elles ont entendu, ce qu'on a dit, de véhiculer, de colporter ce qui a été dit par les uns et par les autres. Et ça, c'est leur fonction. Elles n'y peuvent rien, elles sont comme ça, elles sont construites comme ça, elles sont programmées comme ça. Il faut les utiliser comme ça. Mais en même temps, effectivement, c'est une forme de nuisance parce que elles sont très indiscrètes. Tellement indiscrètes d'ailleurs qu'elles n'ont pas peur de parler à voix haute de leurs problèmes personnels dans les espaces publics, dans les supermarchés, dans les métros, dans les autobus. Elles n'ont aucune pudeur au niveau de l'expression parce qu'elles considèrent que tout du moment que ça existe, il faut que ça se sache. Thank you.